Et bon, c'est tout, c'est Amiot pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de notre Let's Play. Et nous sommes sur notre petite île qui a un petit peu changé. J'ai un peu terraformé un petit peu. J'ai planté des arbres, etc. Donc voilà, j'ai un peu joué. J'ai pas beaucoup de trucs, mais j'ai un peu joué. J'ai joué genre une heure à tout casser. Juste pour préparer l'épisode. Et aujourd'hui, on va commencer à faire notre petite cabane de location. De barque. Hein. Donc, ici, il y aura un petit ponton, là, juste là. Et la maison sera juste ici. On va faire là. Et derrière, il y aura une petite plage, etc. Et ici, il y aura sûrement des petites terrasses, un petit peu des petites terrasses, voilà, avec un petit bar, pourquoi pas. Je verrai bien. Donc voilà. Alors on est parti, on va commencer par faire notre structure. Alors j'ai préparé déjà tout ce qu'il nous faut. J'ai mis en peaceful, pourquoi? Juste pour construire la construction. Parce que j'ai pas encore de bonnes armes, etc. Même si je pourrais, hein, je pourrais le mettre. Mais j'ai pas très envie. Je le mettrai dès que j'ai fini la construction. Alors on est parti, on va commencer par une structure comme ceci. On va mettre 5 de l'arche avec 2 bûches. Et on va faire ça pour les 4 côtés. Donc c'est très facile. Hein. C'est une petite maison qui est assez simple et qui est assez jolie au visuel. Donc c'est pour ça que je vous fais celle-là. Et pour la location de canaux, elle sera largement suffisante. Donc voilà, on va faire le pattern là, on va le faire 4 fois. Voilà. Hop. Donc 4 de hauteur. Et bien sûr, il faut bien sûr mettre les bûches avec. Hein. Voilà. Hop, on met les bûches. Et on met bien sûr les petites bûches. Voilà, moi j'aime bien ce petit ce genre de matériaux. C'est des matériaux très simples et qu'on n'utilise peut-être pas beaucoup. Moi j'utilise souvent, même quasiment tout le temps. Donc pour moi c'est légitime qu'il soit dans ma construction. Vu que c'est une construction simple, efficace, etc. Donc là on va tout faire. Il n'y a pas un truc pour le faire directement. Donc faut toujours cliquer et tout. Ça c'est un peu mal fait. Mais bon, pas très grave. Voilà, on a à peu près 2 stacks. Hop, on va continuer. Allez hop. Ben voilà, on est content là, on avance bien, moi j'aime bien. Alors, il s'est pas passé grand chose depuis le dernier épisode, j'ai juste joué un tout petit peu comme je l'ai dit. Mais j'avais pas aussi l'envie de jouer. Je sais pas pourquoi, j'avais pas vraiment l'envie. Alors, maintenant qu'on a fait la structure, on va mettre des dalles sur chaque bûche en hauteur. Et après on va venir placer des escaliers comme ceci. Ok. Hop, on continue. Et on va faire ça de tous les côtés. Voilà. Alors, après, on va descendre. Voilà. On va donner du relief à tout ça. Donc, je réfléchis encore. On va descendre ça comme ceci. Ok. Un peu de relief à la structure. Et puis on va bien sûr. Ah non, pas comme ça. Lâche. Et. Voilà, ça fait un genre de petit toit. Et puis on va prendre des petites. Dalles. Et on va faire comme ceci.
Voilà, on va faire un petit relief de toit. Et puis on verra bien, on va remonter. Pour continuer, là j'ai fait une petite erreur. On va réparer tout ça. Voilà. Vers le bas, 3 vers le haut. C'est pas un pattern difficile, donc il est facilement enfin, il est facilement faisable, hein. Je trouvais pas le mot reproduisable, mais il est largement facile à refaire. Donc voilà, dès qu'on a fait ceci, on va venir poser une escalier au milieu plus deux dalles. Voilà. L'escalier au milieu et la dalle. Okay. Je fais l'inverse. Escalier au milieu plus deux dalles. Voilà. On continue. Elle est très simple à faire. Et moi, j'aime vraiment bien cette petite construction qui est pour moi une des constructions les plus simples pour faire un bâtiment qu'on connaît pas. On va dire ça. Non, moi, je veux juste. On va faire un peu plus. Voilà. Et après, on va venir mettre des bûches complètes sur tout le tour. Tout le tour, on va mettre des bûches complètes pour avoir du relief. Et en même temps, on fait un petit peu de relief. On va venir fermer le toit, même si on n'est pas obligé. Et on va venir placer une rangée de dalles, mais pas là. Une rangée de dalles juste ici, comme ceci. Voilà, et au milieu, on met une autre petite dalle. Et là, nous avons notre petit toit. On va voir un peu ce que ça donne d'un peu plus loin. On va faire juste ça. Alors, qu'est-ce que ça donne comme petite maison là? Peut-être même se mettre un petit peu en hauteur, vu de plus loin. Ben moi j'aime bien, ça fait un petit toit un petit peu plat, mais c'est pas très grave, ça c'est pas choquant. On pourrait mettre un peu plus de relief si on veut, mais non, j'ai pas envie. Voilà. Alors là, c'est la structure extérieure. On n'a pas encore fini la structure extérieure. Il nous reste encore faire les côtés, mettre du relief ici et les fenêtres. Alors les fenêtres, c'est pas un truc, c'est pas une grosse maison. Donc on va bien sûr en faire, c'est sûr. On va prendre même du sable pour pouvoir en faire. Voilà. On va récupérer ceci et on va venir faire. On peut en faire, hein. Oui, on peut en faire. On va en faire plus. On va se faire aussi des dalles, si possible. On va se faire donc ça. Et on va se faire quelques dalles. Voilà. Nickel. On va même les placer dans l'inventaire. Ce qui sera même un peu mieux quand même. Et alors, à chaque pied, on met des dalles au sol. À chaque pied, on met des dalles au sol. Sur le lama. Donc oui, j'ai pas encore diffusé le premier épisode, donc j'ai pas encore vu vos réponses pour les noms des lamas. Je sais pas, je trouverai moi-même, c'est pas très grave. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de la maison. Donc l'entrée est ici. Donc voilà, on va faire une jolie petite entrée. Il n'y aura pas vraiment de porte. Enfin, si, il y a une porte, mais elle n'est pas considérée comme telle. On va aller faire vite ce qu'il me faut. Donc il me faut juste une comme ceci. Et il me faut... On va faire ça. On va encore en faire. On va encore en faire. Et maintenant il me faut ceci. Alors, il faut quoi encore pour faire ces trucs? Ok. Un peu plus peut-être. Ok, oui, c'était là.
Ok, on a fait, donc on a fait des petits, voilà, des petites barrières. Et les barrières, on va venir les poser ici, comme ceci. Et je vous avais fait faire ceci, si vous voulez les reproduire. Et on va la mettre comme ceci. Et ça, c'est l'entrée de notre cabane, de la cabane du pêcheur et pas du lama. Le lama, j'aimerais bien que tu sortes. Oui. Possible. Merci. Alors pour le sol, on va pas faire un truc très compliqué. On va faire avec du bois hein, pour casser tout ça. Après, on va remettre un plafond parce que le plafond est pas comme je veux. Donc voilà. Alors on va continuer à creuser. Il n'y aura pas de cave ici, vu que c'est pas une usine. C'est un bâtiment un peu plus de décoration. C'est pas encore une usine. J'en ai pas encore besoin d'usine pour le moment. Je pense que la prochaine usine qu'on va faire, ce serait une usine à bouffe. Mais je sais pas, je vais voir. Pour savoir où je vais la faire. Parce que mine de rien, j'ai pas envie de tout faire au même endroit. Je vais pas faire tout sur mon île. Hein, parce que mon île, c'est une île, quoi. C'est pas un palace. Donc on va mettre juste 3 de hauteur. Voilà. Comme ceci. Il m'en manque. On va vite en refaire. C'est pas un problème. Comme ceci. Et maintenant, on va mettre deux petites. Comme ceci. Ça, je suis peut-être pas fan. On va voir un peu ce que ça donne pour la sortie. Et les mettre au sol aussi. Comme ceci. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal comme entrée. Ok, et maintenant on va faire un petit comptoir. Alors le comptoir ça va être assez simple. On va pas trop. Attendez, on va juste faire juste ça. Voilà. Et maintenant on va faire un petit comptoir. Un petit comptoir, petit comptoir. Il me faut des dalles. Voilà. Ok, on va vite prendre aussi les vitres. Et on va se faire des petites vitres comme ceci. Voilà, on va en faire 16. C'est nickel, il n'en faut pas plus. Hop, on prend ça. Et on va bien sûr mettre nos fenêtres aussi. Alors, on va d'abord placer le comptoir. Alors, pour le comptoir, on va faire assez simplement, je pense. On va faire partir un comptoir comme ceci. C'est un peu chaud ici. On va retirer ça. Dans mon modèle, en fait, il n'y avait pas le comptoir. Donc, en gros, ça rendait bien. Et là, il y a le comptoir. Après, c'est vrai, je pourrais juste faire un guichet comme ça. Hein, mais j'ai plus envie de faire un comptoir intérieur. Hop, on va le faire revenir comme ceci. Et ici, on va mettre un bloc plein. Voilà. Est-ce que c'est convaincant? Ouais, peut-être pas fan du bloc. Si on va mettre un item frame ici, pourquoi pas. Donc voilà, on va faire bien sûr un petit siège. Hein. Non, pas comme ça. Non, pas de siège. On va juste laisser comme ça, on va mettre un pot avec des fleurs quand on pourra. Pour les fenêtres, on va faire ça assez simple, comme ceci. Voilà. Et attendez, j'ai réfléchi à un truc. Donc ça a sorti. Le bâtiment est là. Ici, je peux en faire un deuxième. On va fermer tout. Regardez. J'ai une petite idée. Faut que vous me dites dans les commentaires ça, parce que je suis peut-être pas totalement fan, mais j'ai envie que vous me répondiez dans les commentaires. On va faire un petit comptoir. On va faire un petit comptoir comme ceci. Voilà, comme ceci.
Et derrière, on va ouvrir. Derrière, on va ouvrir. Pour faire quoi? J'avais dit que je voulais faire une petite vente. Ouais, non, ça va pas le faire. On va faire un autre bâtiment pour ça. On va agrandir l'île s'il faut. Mais j'avais envie de faire un petit truc, mais non. Je sais pas, ça rentre pas. Déjà, ça c'est déjà limite. Donc on va prendre le lâche. Voilà, comme ceci, on va garder, on va même laisser un trou pour mettre une petite trappe d'or quand j'en aurai une. Bah, en vrai, je peux en faire une maintenant. Faire une petite trappe d'or, si possible. On va mettre un petit peu de bois. Un petit peu de bois. Une trappe d'or. Comme ceci, on va la mettre dans notre inventaire. Trappe d'or, bien sûr, comme ceci. Ouais, allez hop, on laisse comme ça. Alors, après, il va nous falloir pas ça, mais plus. J'irai chercher du bois après. Hein. Je vais juste faire un double coffre. Et pourquoi un double coffre? Pour pouvoir mettre les bateaux. On va faire un stand, mais. Il va falloir mettre les bateaux dedans. Et ça, ben, le coffre, il sera juste là. On va pas faire un double coffre. Et j'avais dit que je ferais peut-être un truc avec un distributeur avec les. Avec les. Comment dire? Les bateaux. Ça, je vais peut-être le faire hors caméra et vous montrer. Mais là, j'ai envie de faire un autre petit truc avant. Voilà, on va un petit peu terraformer. Juste un petit peu, on va pas terraformer beaucoup. Juste de quoi faire un petit chemin. Voilà, comme ceci. Voilà, on va juste terraformer un tout petit peu. On va faire ça comme ça. On va mettre. Voilà. Il va me falloir de la cobble. De la cobble. Des demi-dalles, enfin des dalles de cobble. Comme ceci. Et il va me falloir, mais tout simplement, la pelle. Donc ça va. Alors, on va commencer par. Par mettre un peu de cobble un peu partout, mais de la vraie cobble. Voilà, on va faire un. On va faire un chemin hein. Avec de la cobble et la nouvelle spécificité de la pelle. Voilà. Comme ceci. Le ponton, on le fera sûrement. Je le ferai peut-être hors caméra et je vous le montrerai comment je l'ai fait. Donc voilà. Là, je pense qu'on est bien. Voilà. Alors, on va maintenant placer maintenant les chemins. Comme ceci. Pour descente sans à-coups. Et avoir aucun problème. Voilà, on est content. Alors ici, on va juste casser ça. Parce que ça, j'aime pas, c'est moche. On va essayer de finir là. La terre correctement. Voilà. Ici, on peut laisser. Hein, c'est le sable. Et on va prendre la petite pelle. Et on va faire ça comme ceci. Et là, ça fait des belles routes. Voilà. Comme ça, c'est assez joli. C'est assez joli. J'aime bien. J'aime bien ce genre de route. Pour le seul problème, c'est qu'il faut que ce soit de la. Comme ça. Peut-être même encore un ici, voilà. Et ben voilà. En fait, cette île, c'est une île de touristes. Quand je dis touristes, parce qu'en fait, je compte faire un autre ponton là-bas, avec la même structure, mais de l'autre côté. Et ça fait genre un peu la traversée pour aller à une plage, comme ceci, ici, une petite plage.
On va faire beaucoup de déco aussi hein, dans ce truc. Dans LP mécanique. Même si c'est pas vraiment la mécanique. Voilà, c'est comme ça et que. Et bah voilà. Donc voilà, moi je pense que on est pas mal là. Ah non, on a oublié de faire deux trois petits trucs. On a oublié ça, il me faut des torches. Est-ce que j'en ai ici des torches? Non, mais j'ai de quoi en faire normalement. Faudrait que j'aille miner aussi. Faudrait que j'aille miner, miner, miner. On va faire des torches. Voilà. De toute façon, j'irai bientôt miner tranquille. Tranquille avec un film et j'irai miner. Alors, pour l'éclairage, on va mettre des petits poteaux comme ceci. Et en gros, on va faire tout ça. On va mettre des torches au-dessus. On va pas faire un gros éclairage. Mais c'est toujours joli ce genre d'éclairage. J'aime bien. Ça suit un peu la route. C'est une diagonale, en plus, quasiment. Et on met ça que d'un côté de la route, parce que sinon, c'est moche. Et bien sûr, dès que tout aura poussé, par exemple, ce genre de truc. Bon, c'est compliqué parce que. Ce genre de chemin est joli à faire, c'est vrai. Demande pas de ressources, mais parfois on est un peu calé dans ce genre de cas sur mobile parce que il faut casser tout parce que j'ai pas mis la le truc exprès. La terre, on va la mettre ici. Voilà. Comme ceci. Et bien sûr, on peut faire ça avec tout, hein, partout si on veut. On va mettre. Je vais prendre ça à la place de ça. Et on a plein de trucs à faire avec ce. Et il me faut les dalles à la place des haches. Voilà, il y a plein de trucs à faire. On peut même mettre là-bas en dessous. Je le mettrai plus tard. Mais voilà, le bâtiment est fait. Moi, je suis assez content. En plus, on a les lamas qui vont rester là. Donc, n'hésitez pas à dire toujours des noms dans les commentaires pour les noms des lamas. Et bah, moi je trouve quand l'épisode sort, il n'y a pas de date de sortie. Donc voilà. Moi je vous retrouve la fois prochaine pour faire d'autres trucs. Et la fois prochaine, on aura déjà avancé sur quelques trucs. J'aurais sûrement déjà fait le pont. Donc, j'aurais fait sûrement le pont. Et j'aurais fait déjà le chemin et l'autre cabane avec les l'autre cabane avec plus quoi dire avec les bateaux de location. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et on se dit bye bye.